J'ai toujours un plan, mortel. Nous aurons besoin d'alliés, Rimkius et ses porte-lames, et d'un moyen d'entrée. La clé du portail de la flamme éveillée fera l'affaire si nous l'harmonisons comme il le faut. Et nous aurons besoin d'Arox. Il doit connaître l'ardent espoir. Les clés de portail, lorsqu'elles sont bien harmonisées, peuvent ouvrir des chemins là où il n'en existait pas. Mais il nous faudra un expert pour cela. Parlez à Madame Caprice, petit mortel. Elle vous aime bien. Persuadez-la de nous aider. Si nous devons donner l'assaut par la grande porte, nous avons déjà perdu. Allez-y. Utilisez votre charme pour convaincre Madame Caprice de nous aider. En attendant, j'aimerais essayer un autre sort d'identification sur la baguette tordue que vous avez récupérée au sommet de l'Annihil Arc. Je pense que je vais bientôt pouvoir déterminer son utilité. Pourquoi le serait-elle? Ils étaient alliés, il y a encore quelques instants. Je doute qu'il attende des ennuis d'un groupe de mortels qu'il méprise. Il est possible que la clé contienne déjà les coordonnées permettant d'entrer dans la forteresse. J'imagine que Sœur Celdina s'y est rendue à plusieurs reprises. Peut-être, si le temps n'était pas compté. Et puis je peux ouvrir mes propres portails vers des lieux que je connais déjà. J'utilise rarement des clés de portail. Il nous faut un expert, et Madame Caprice en connaît davantage sur les portails et passages secrets que quiconque à la tombe du fin fond, moi comprise. Le sang mortel et l'essence d'Edric remplissent la même fonction. Et le sang lié au rituel les rend encore plus puissants. Les cataclystes ne sont que des rituels fabriqués. Un sang royal coule dans les veines de l'anachorète. Cela le rend très précieux. Vous me l'avez donné à étudier. Je l'ai étudié. Elle protège bien ses secrets, mais j'ai appris quelque chose pendant que vous vous occupiez à la lueur morte. C'est une vieille relique qui contient un enchantement aussi torve que sa forme. Il est déconcertant. Pas vraiment, pas encore. Mais l'essence d'Arox est liée à cette relique. C'est peut-être pour ça qu'elle l'a tirée. Je continuerai de l'étudier si le temps me le permet. Qui sait ? Elle pourrait s'avérer utile à un moment ou à un autre. Pourquoi le serait-elle? Ils étaient alliés, il y a encore quelques instants. Je doute qu'il attende des ennuis d'un groupe de mortels qu'il méprise. Il est possible que la clé contienne déjà les coordonnées permettant d'entrer dans la forteresse. J'imagine que Sœur Celdina s'y est rendue à plusieurs reprises. Peut-être, si le temps... Le Valkinaz Nokvroz s'attaquera bientôt à la tombe du fin fond, Caprice. Mes porte-lames et moi ne l'attendrons pas. Oh, mon mortel préféré revient. J'aime quand l'Irante accepte de vous partager avec moi. Ne faites pas attention à Rimkius. Il pense que tout problème peut se régler avec une épée. J'espère que vous aurez une conversation plus intéressante. Vous aussi ? L'ardent espoir est le siège du pouvoir du Valkinaz Nokvroz, et il semble qu'il soit devenu le plus important des vassaux de Merunes Dagon. Je ne vois pas pourquoi vous insistez tous pour vous en faire un ennemi. Et s'il réussit, je serais folle de résister au nouveau régime, quand bien même ce serait pénible de vivre sous l'autorité du prince de la destruction. Enfin, votre idée est un peu plus intéressante qu'un assaut frontal. Les porte-lames sont fous de l'envisager. Cette clé me permettrait d'ouvrir un portail directement dans la forteresse, ce qui pourrait vous donner une chance aussi infime soit-elle. Très bien. Il y a un vieux socle de portail dans la brûlure, au sud de l'Ardent Espoir. Retrouvez-moi sur place, et j'harmoniserai votre clé. Il est scandaleux que l'Anachorète soit aux mains du Valkinaz Nokvroz. Je vais rassembler quelques matériaux et vérifier des incantations. Puis, j'irai chercher l'Irante et je vous retrouverai à l'ancien socle de portail dans la brûlure, au sud de l'Ardent Espoir. Ça n'est pas entièrement nécessaire, mais cela facilitera l'harmonisation. Autrefois, il y avait tout un réseau de ces socles dans les terres mortes.
La forteresse était construite autour de l'un d'eux. La plupart a été oubliée et abandonnée, mais ça ne signifie pas que leur magie a disparu. Je n'ai pas toujours été la masquène débrouillarde que vous voyez aujourd'hui. Il y a bien longtemps, je jouais à amasser de l'influence en me vouant au prince des draps. J'ai appris bien des secrets en les fréquentant, notamment comment entrer et sortir d'endroits gardés. Drosco rassemble les porte-lames. Nous devons attaquer l'ardent espoir. Faisant correspondre les pierres aux runes pendant que j'harmonise la clé du portail. Tenez, une clé de portail tout harmonisée. Gardez-la sur vous, et le portail vous mènera dans l'ardent espoir. Après cela, tout est entre vos mains. J'espère que les rentes a un plan, une fois que vous serez sur place. Pour vous, mon cher mortel, toujours. Laissez l'Irante et les autres s'inquiéter de cette histoire, et rentrez avec moi à la tombe du fin fond. Votre vie est déjà assez courte? Pourquoi la risquer pour cette idée sotte? Je vous promets que notre association sera satisfaisante. Oh, je m'amusais, c'est tout. Vous êtes d'un stoïcisme délicieux. Et pertinent, je l'admets. Mais Renesse Dagon convoite depuis longtemps les portes que la tombe du fin fond lui ouvrirait vers d'autres mondes. Ne laissez pas Nokvroz utiliser notre chère anachorète pour y avoir accès. Souvenez-vous, une diversion. Comment qualifieriez-vous l'action des porte-lames, sinon de diversion? Ils attireront l'attention des forces de Nokvroz, et vous devrez agir vite. Vous aurez jusqu'à la mort du dernier porte-lame. Mettez ce temps à profit, et j'espère que vous survivrez, ne serait-ce que pour des considérations esthétiques. Les porte-lames occuperont les défenseurs de la forteresse. Laissez faire votre clan, Rinkius, et venez avec nous. Votre épée nous sera utile. J'affronterai Nokvroz en combat. Au vu au sud de Mekin, telle est la voie de l'honneur. Bien dit, porte-lame. Mais c'est moi qui détruirai. Nous devons atteindre la Anachorète avant que le Valkinaz Nokvroz n'utilise son sang pour alimenter le cataclyste perfectionné. De toute évidence, il cherche à créer ses propres incarnés. Je préfère éviter d'affronter une telle créature.
Maintenant, prenez Arox et mettons-nous en route. Rinkius et ses porte-lames attaqueront la grande porte pour attirer l'attention des forces du Valkinaz Nokvroz. Pendant ce temps, nous entrerons grâce à la clé de portail harmonisée et tenterons de rester discrets tout en cherchant l'anachorète. Nous devrons empêcher Nokvroz d'utiliser le sang de l'anachorète pour alimenter sa machine. J'admets que j'aimerais beaucoup examiner ce cataclyste prétendument perfectionné. Cette notion de faire muter l'immuable m'intrigue. Mais je n'ai aucune envie d'affronter un autre incarné. Disons que j'ai une idée sur la façon dont nous pourrons l'utiliser en dernier recours. Gardez Arox près de vous. Sa connaissance de la forteresse nous sera précieuse si nous voulons avancer sans être détectés. Bonne chasse, mortel. Mes porte-lames et moi attirerons le courroux de l'armée de Nokvroz pendant que vous infiltrerez la forteresse. C'est une excellente occasion de prouver la puissance de mon clan. Aujourd'hui, nous allons rendre aux serviteurs de Merunes Dagon la souffrance qu'ils nous ont infligée. Voilà bien une préoccupation de mortel. Nous ne mourrons pas. Ils reviendront. Et les porte-lames ne craignent pas la douleur. Nous existons pour le combat et la gloire. Le Valkinaz Nokvroz s'est hissé bien haut parmi les Kin, mais nous prouverons que nous lui sommes supérieurs. Telle est notre vie. Les plus forts se disputeront sa place. Les plus faibles attendront l'apparition d'un nouveau chef. Nokvroz se fait obéir par sa force. Nul n'est fier de le servir. Ils savent qu'il a gagné sa place en piétinant le cadavre de ses prédécesseurs. Les chemins d'Oblivion sont sombres et étranges, mortels. Nul ne saurait dire combien de temps sa reformation prendra. Et même si Nokvroz revenait immédiatement, il porterait le déshonneur de la défaite. Qui irait servir un Valkinaz trop faible pour défendre sa propre forteresse? Liran a raison, maître. Avant d'être maudit et de porter le corps que vous voyez, je commandais l'Ardent d'Espoir. Je connais toutes ces salles, tous ces passages, comme le dos de ma queue. Et vous aurez besoin de moi pour affronter ce traître de Nokvroz. La haine est encore un mot trop faible pour ce que je ressens, maître. Je ne lui en veux pas d'avoir résisté à mon autorité. C'est la norme dans les Terres-Mortes. Il est naturel de défier ceux qui vous dominent. Mais Nokvroz a choisi la voie de la lâcheté. Il doit en répondre. Nokvroz m'a-t-il affronté en combat singulier? M'a-t-il terrassé par sa propre force? Sa propre ferveur? Non. Il a employé une malédiction retorse. Ses actions révèlent sa peur, pas son pouvoir. Il n'a pas mérité sa place à la tête des armées de Dagon. Je ne sais pas. J'en serais assurément plus digne que Nokvroz. Mais Merunes Dagon l'a laissé me remplacer par la ruse et la tromperie. J'avais donné au Seigneur Dagon ma loyauté totale, mais il ne m'a pas donné la sienne. Bon, avançons, maître. À vos ordres. Du fort.
sens l'odeur du sang. Un sang mortel. Cherchez des alliés puissants. Ce sont les serviteurs les plus fidèles de la France. Si nous empoisonnons, l'Anachoret sera sans doute dans les barrages. Et engendrera un incarné pour conquérir toute la création pour Mérunès d'Apon. Je vais détruire cet engin, comme j'ai détruit le cataclyste scindé. Le Valkinaz Nokvroz a renversé cet idiot d'Arox et chassé l'ordre de la flamme écarlate. Vous vous soumettrez, vous aussi. Amenez-la. Nokvroz nous attend au volcan. Et vous, là, dans l'ombre, nous nous occuperons bientôt de vous. Idiot! Lorsque je serai restauré, je reviendrai tous les massacrer! Une autre fois, Rox. Comment as-tu par la porte nord. Bientôt, nos portées attirent l'attention de la majorité des troupes. Mais ils ne tiendront pas très longtemps. Le chemin du cataclyste s'ouvre devant nous. Mais les porte-lames sont en difficulté. S'ils échouent, tous les yeux se tourneront vers notre ascension. Nous n'atteindrons jamais l'Anachoret. Il est peut-être temps de libérer la magie entreposée dans la baguette tordue. Je n'ai pas de certitude, seulement des idées. Je pense que cette baguette est la clé nécessaire pour lever la malédiction d'Arox. La magie qu'elle contient est la véritable forme d'Arox. Si je brise la baguette, Arox retrouvera toute sa splendeur. Pour un moment. Le problème est bien là. Si j'avais du temps, je pourrais trouver une solution permanente. Mais si nous brisons la baguette sans supprimer la malédiction, cela pourrait sauver Arox, au moins jusqu'à ce que la malédiction reprenne ses droits. Son pouvoir nous serait utile. Si nous voulons sauver les porte-lames et l'Anachoret, oui. Et je devrais rester en arrière. Je peux tenir la malédiction à distance, mais même cela ne lui permettra pas de conserver sa vraie forme très longtemps. Prenez la baguette et décidez-vous vite, mortel. Comme je vous l'ai dit, le temps est compté. Brisez la baguette! Libérez-moi! Et je me vengerai, je l'exige! La magie est libérée. Prépare-toi, Dédrat. Ton dernier combat va commencer. Le mutilateur! Contemplez votre perte! Arox est revenu! Fuyez! Clan porte-lames, levez-vous! Avec moi! Venez, mortel! Je sens la peur de Nokvroz! Suivez le sentier des braises, et je vous aiderai à rejoindre l'Anachoret!
véritable corps.
n'étais pas certaine que vous viendriez. Je suis heureuse que vous l'ayez fait. Attendez. Vous avez senti ? Quelque chose approche. Oh, oh non ! Nokvros vous a sous-estimé. Vous êtes assez puissant. On est mortels. Ah, mais je vous reconnais, ma petite. La bâtarde de Morikar. J'ai tant de projets pour vous. Vos compagnons, eux, sont une gêne passagère. Je vais les détruire. Nous ne pouvons pas affronter Myrunes Dagon. Tenez bon! Je vais nous sortir de là! Comme je l'espérais. J'ai appris ce dont j'avais besoin. Vous avez éliminé la menace, et aucun incarné ne pourra venir ravager la tombe du fin fond et le monde mortel. Et puisque Sœur Seldina et le Valkinaz Nokvros ont disparu, plus personne ne peut construire de cataclysme. Vous m'avez bien servi, et je partage quelques affinités avec vous, mortels. Mais n'allez pas croire que nous sommes amis. Les Dremora n'ont pas besoin de ces liens, et je ne partagerai pas mes secrets avec vous. Ils ne sont qu'à moi. Parlons d'autre chose. L'Anachorète a prouvé sa capacité à survivre, quelles que soient les épreuves qui se présentent. Elle fera le tri dans ses souvenirs et finira par accepter son héritage. Et elle devrait être à l'abri ici, à la tombe du fin fond. La restriction y veillera. C'est terminé pour le moment, petit mortel. Moi aussi, je m'interroge sur la fille d'un empereur des Longères. Mais grâce à votre courage, à l'ardent espoir, Dagon ne l'a pas capturée. Vous m'avez bien servi, et votre monde aussi. Prenez ceci, avec ma gratitude. Nous avons fait disparaître la menace que la flamme éveillée faisait peser sur le bois noir et sauvé la tombe du fin fond des incarnés. Mais il reste de nombreuses questions sans réponse. Myrunes Dagon continue de menacer votre monde mortel. Et il reste des choses que j'aimerais apprendre. Acceptez-vous de m'aider à nouveau ?